arrêté. Il n'a pas vu dans la lecture du jeu. Là, voilà, c'est Medine Guama qui s'ouvre encore le panier tout seul. Voilà, mais on tient qu'il va attaquer le panier. Allez hop. Il a été un petit peu au casse-pipe. Medine, ah. Oh, c'est bien joué ça. Encore Medine Guama. Sur le tir extérieur, avec l'absence de Frank Booker, on va être content de trouver un petit peu de réussite du côté de Damien Bouquet. Ouais, la chorale de Rouen, c'est le derby de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce soir à Vacheresse. Rouen reçoit Vichy Clermont. C'est la demi-finale avec la montée à la clé pour la chorale de Rouen. Il faut impérativement gagner ce soir, mais pour le moment... plus 16 et on est dans la dernière minute du troisième carton. Nguama qui va aller au cercle, c'est dedans avec la faute. A été...
Le cercle et il ramène la chorale à moins 7, 19 à 12 pour Vichy Clermont. Medien Guama face à Thomasville. Deux jeunes joueurs au profil assez proche, hein, très athlétique, très explosif. Et Nguama qui... face à Théo Léon, un solide client est en face de lui parce que Théo Léon, certes il a 24 points ce soir, mais c'est un sacré défenseur, je peux vous le garantir. Lui qui dépasse rarement les 12-15 unités, il est à 24 ce soir. Théo Léon, grosse défense de Théo Léon, l'écran dans l'axe pour Vichy, attention la vitesse d'Nguama, ouais. Yeah.
pour Medienne Gouema à 3 points. Ficelle. Dans cette troisième carton, remise en jeu, Michel Carreau. Medienne. La position de la balle a toujours enrichi